Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Riven, champion vraiment sous-estimé en ce moment. Il a subi énormément de nerfs en fait en ce moment, mais il est vraiment très très fort quand il est bien joué. Donc on va commencer par les builds en start. Vous voulez toujours partir sur ça, sauf dans quelques cas. Voilà. Ensuite, donc Riven possède 4 sorts plus un passif. Le premier sort, c'est un dash, donc Broken Wings. Un dash qui va faire des dégâts. Qui va dans la direction de Riven et non pas dans la direction du curseur. Et le troisième dash est en fait un jump. Bon, j'ai pas le temps de le faire. C'est pas grave, c'est un jump donc. Je sais pas pourquoi j'ai un pic comme ça d'ailleurs. Tac. Voilà, et ce jump là permet de passer beaucoup de murs. Donc par exemple, un mur assez simple à passer. Voilà. Celui-là, je crois qu'on peut pas. Ah bah après, il y a des plus compliqués. Donc là, j'ai pas de faire comme ça. Voilà, avec la ward pour la direction. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Ok, voilà, donc j'ai mes trois sorts. Donc en rune avec Riven, ce que vous voulez faire, c'est presque tout le temps. Enfin, si vous avez qu'une seule page de rune à consacrer à Riven, 3 quintessences d'attaque de flat AD, 6 quintessences de non 6 glyphes, donc le bleu, de cooldown par niveau, donc avec 3 magic resist par niveau à côté, 9 jaunes d'armure, 8 et après en rouge, en fait ça dépend de votre style de jeu, mais vous pouvez mixer un peu armor pen et et attaque damage. Par exemple, moi j'ai une rune d'armor pen, mais je compte faire un peu un mélange du style 3 armor pen et enfin un truc pas très cher mais quand même efficace. Donc voilà. Donc je peux pas complètement parler des sorts. Donc le Q-spell, donc c'est 3 dash. Le cooldown commence à partir du premier dash. Le Z, c'est un stun. Et le E est un shield qui est aussi un dash. On va voir. Ça, là, c'est un shield qui est aussi un dash qui permet d'esquiver pas mal de choses. Donc le stun, là, ça fait des dégâts aussi. Tout ce qu'il y a sur la D sur Riven. Donc ça, à savoir, il n'y a aucun scale AP. Si vous voulez build Trinité, non c'est pas. Donc avec Riven, presque tout le temps vous les rush Tiamat. C'est vraiment le meilleur choix possible sur Riven en fait. Donc meilleur choix, c'est le Tiamat, parce que ça permet d'avoir du lifesteal, ça permet d'avoir des dégâts de zone, un meilleur push, un peu de tout en fait. Sinon,
Le dash de Riven justement peut permettre de se repositionner par rapport au... pour faire le troisième dash, ou sinon justement le warp trick est possible. Oh merde, bon. J'aurais pas dû faire ça. Ok, donc le warp trick qui permet en fait de se repositionner également immédiatement. Donc là, directement, tac, là on prend des bottes parce que les bottes c'est cool, on prend des potions. Et on revient directement sur la lane. Donc, par ordre d'achat en fait, selon l'argent, selon le gold qu'il y a, soit en fait niveau 6, soit vous voulez back si vous avez pas assez de vie. Sinon vous tentez un kill puisque vous avez votre ulti. Ou alors rien du tout. Je fais un peu n'importe quoi mais bon, on s'en fout. Donc là. Donc Riven, son passif, c'est de faire plus de dégâts entre les auto-attaques. Après chaque après chaque sort, il y a un petit buff qui augmente ses dégâts d'auto-attaque. Donc là, si je fais mon Q-spell, il va y avoir plus de dégâts de ça. Il va y avoir plus de dégâts et à chaque fois ça stack. Donc c'est pas quelque chose qui stack, qui augmente les dégâts, hein, qui se stack. Mais ça augmente le nombre d'auto-attaques en fait qui applique cet effet. Et ça stack jusqu'à 3, après ça sert plus à rien. Donc l'intérêt en fait en early, ça va être d'essayer d'arras un petit peu avec justement le combo A auto-attaque, A auto-attaque. Donc là je vais le faire sans rien. Sans compliquer la chose, je vais essayer de le faire là. Si je l'occupe avant. Auto-attaque, auto-attaque. Bon, là c'était trop tard mais on va le faire avec Garen. Non mais faut pas le faire reculer. Je vais le faire avec Garen. Bon, on va le faire avec Amumu alors. Bon attends, Garen ça va essayer de le bait un peu. Voilà donc auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Donc ça maximise les dégâts en fait, parce que déjà en early le Q-spell fait pas beaucoup de dégâts. Mais les auto-attaques font des dégâts en early. Et le fait qu'on fasse un sort, ça va vraiment augmenter les dégâts d'une auto-attaque justement. Du coup ouais, énormément de dégâts. Donc il y a deux choix de max. On peut maxer le Q-spell ou on peut maxer le shield. Sinon le stun, il n'y a pas vraiment de... On peut le maxer en deuxième mais ça se maxe jamais en premier en tout cas. Donc le shield, pourquoi? Ça peut être par exemple qu'on s'aperçoit un skill shot. Ou alors pour pouvoir farmer de façon safe. Je vois pas trop d'autres choix. Sinon le Q-spell, c'est parce que tous les matchups on prend ça. Par exemple avec... ouais, contre Irelia par exemple, on va prendre plutôt le shield. Ouais, on va mettre genre 2-3 niveaux dans le shield et après on va maxer le Q-spell. Donc là. Voilà, je suppose qu'il est en train de back ici ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là par exemple, je suis comme ça. Voilà, c'est ça le ward trick que je disais. J'avais pas mon shield, donc j'ai shield, donc j'ai ward pour me repositionner. Of the past
Ok, maintenant passons aux animations cancel. Donc Riven déjà de base a des animations vraiment lentes, que ce soit pour l'auto-attaque ou pour ses sorts. Pas pour le pour ça, mais donc l'auto-attaque par exemple, Riven va faire, voilà, donc enfin c'est pas vraiment, l'animation est lente, c'est-à-dire le temps entre lequel on clique et où les dégâts sont appliqués est vraiment énorme. Enfin, comparé à certains champions, il est énorme. Après, l'animation du Q-spell aussi est assez lente. Donc on peut accélérer ça. Parce que, en fait, ces sorts ont des casting time. Donc là, on va voir en bas une petite barre, voilà. Ici, tac. Pour l'ulti aussi, donc... Là, ça va être... Je vais faire un combo normal, disons... sans animation. Sans animation cancel. Donc là, on fait ça... Ça... Ou alors un truc comme ça, et après on ulti. C'était lent. Enfin, je veux dire, on est d'accord que c'était lent. Maintenant, on va le faire avec des animations cancel. C'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, hein, mais sans l'expliquer. Donc déjà, on va faire ça. On va prendre ça parce qu'on veut plus de damage. Damage force de wind. Ok, Donc oui, justement, on peut revenir plus vite avec la technique du Q-spell. Le troisième Q-spell qui permet de faire des wall jump. Donc, par exemple, celui-là. Parce que ça agrandit en fait justement le rayon de base, c'est pas vraiment énorme en fait, sauf que c'est un peu comme le flash. C'est un peu comme le flash, ça peut s'agrandir. Donc là j'ai pas mon ulti, donc je vais attendre un peu, je vais essayer de tempo. Et dès que j'ai mon ulti, on va faire le petit combo accéléré. Donc je crois pas que j'ai mis le Tiamat tout à l'heure, donc... Ça risque pas de faire exactement la même chose, mais on verra. On verra bien. Non, j'ai essayé de juke le stun, mais ça n'a pas vraiment marché. Donc là on va le faire. C'était un peu plus rapide, je crois. Donc en fait, le principe, c'est que l'animation du E est l'animation la plus longue de Riven. Et pendant l'animation du E, on peut mettre d'autres sorts. Et c'est ça toute la technique. On peut mettre ça. On peut mettre le Q-spell, quoi que ça sert pas vraiment à grand-chose. Mais on peut combiner justement, en fait quand on fait ça, on bloque quand même la fin de l'animation du Z. Alors que si on met le Q-spell après avoir mis le Z pendant le E. Voilà. On peut mettre... Du coup on peut mettre le Tiamat avec. Des fois ça marche pas, c'est pas génial. Donc ce qu'on peut cancel, donc déjà c'est EZ, EA comme j'ai dit. On peut cancel l'ultime. La première activation d'ulti, on peut la cancel avec un stun, un Tiamat je crois pas. Avec un stun ou un dash. Après le stun on peut le cancel avec un Q-spell si on le fait pendant un E et après on peut mettre le Tiamat au début. Ça va nous donner un truc un peu comme ça. Et donc après, pareil, le deuxième activation de l'ultime peut par contre être activé par être cancel par tous les sorts. Donc là si on la cancel avec le Q-spell, mais on peut aussi la cancel avec on peut aussi la cancel avec le Q-spell ou le dash ou un flash même
Ah, un truc important à noter, c'est que le fait que le E cancel une animation est conservé à travers le flash. Donc ça veut dire que si on fait un truc comme ça, le fait que ça cancel l'animation, il est gardé. C'est-à-dire, l'animation du E est annulée visuellement, mais elle tient toujours dans le jeu en fait. Bon, allez, on va TP parce que YOLO. Donc après on peut utiliser ça. Ah, trop tard. Okay. On peut utiliser ça pour attaquer plus vite. Au lieu de faire tac 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 tac. On peut faire un truc plus rapide. Du coup. Bon, par contre on gâche un peu des stacks de passifs en faisant ça. Mais on attaque vraiment plus vite en fait, donc ça compense. Que dire d'autre? On pourrait tenter. En fait, enfin, ce que je préfère avec le Q-spell, c'est que déjà on peut bouger, on peut changer d'orientation. Oui, on peut changer d'orientation. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on peut changer d'orientation avec le. Oui, on peut changer d'orientation en cliquant dessus, mais je préfère quand même faire normalement en fait. Donc, c'est-à-dire au lieu de changer d'orientation en faisant ça, le faire en cliquant sur le sol, parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Enfin... En fait, quand on dash avec ça, regardez ce que ça fait. Là je suis là, à ce point-là, là. Il y a un point violet ici. Là je suis là, dans cette direction. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas de là où je suis. Mais si... on va se mettre là, disons. Sur ce petit carré. Si je fais là... Vous voyez, ça... Ça me fait avancer, en fait, dans la direction du perso. Et du coup, on peut jouer avec ça. Je sais pas trop pourquoi je warde de temps en temps tout à l'heure. Mais... Oh, j'ai un peu d'orp là. Beaucoup trop d'orp. Non. Bon, d'accord, ok. Je fais n'importe quoi, j'étais stone. Je sais pas trop ce que j'ai fait. En plus, on s'en fout. J'ai envie d'être cessé, donc je vais acheter ça. Donc voilà le build normal que vous voulez faire avec Riven. À part tout ça, vous avez 40% de CDR. Mais ces bots ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous faites ça, vous êtes obligé de prendre en fait, parce que de base ça plus ça, ça nous fait 35%. On a 10% en rune au niveau 18. Ce qui va nous faire 5% en trop. Donc oui, avant le niveau 18, ça va nous faire du bonus. Mais franchement, après, au-delà de 35%, ça a vraiment presque pas d'intérêt d'augmenter les CDR. À part justement pour ce que je vais vous montrer là. C'est-à-dire que si on attend là, tac, on peut recaster directement. Et là, ça devient marrant. Et là ça devient marrant parce que on peut recaster le Q-spell juste après. C'est-à-dire que comme le cooldown est à 0, comme le cooldown commence après le premier Q, si on est assez lent dans la réactivation, on peut vraiment pouvoir le réutiliser. C'est à dire imaginons je suis en train d'être chase là, je vais faire oups,
après directement je peux refaire ça. Et ça peut faire un sort de jeu où on peut forcer le flash par exemple, et juste après redash derrière. Ça peut être une idée. Ou alors, imaginons on est là. Je sais pas. J'ai pas trop d'idées en fait, mais. Mais bon. J'ai plus trop d'idées. Non, à mon avis, c'est tout. Après, bah. C'est plus des réflexes après. Je ferai une vidéo séparée pour le cancel de Totac parce que c'est. Le cancel de Q-Spell parce que c'est. En soi, il faut vraiment une vidéo séparée. Puis après, pour les réflexes, je ferai peut-être une autre vidéo pour séparer aussi. Oh, j'ai cru qu'il y avait un sort de voice-over Rihanna avec les paroles de... Bon, pff, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis. Un autre truc aussi, c'est que les dégâts de l'ultime de Riven, donc c'est un finisher, ça scale sur les PV manquants. Mais ça s'arrête, c'est capé à... C'est capé à 25%, donc 75% je crois. Un truc comme ça. Non, en tout cas c'est les dégâts de Riven, de l'ultime, sont capés. Donc ça sert à rien d'attendre vraiment. Sauf si on sait qu'on va pas faire assez de dégâts, on peut continuer à attaquer. Hein. Mais en tout cas pour caster l'ultime, faut attendre quand même. Un peu. Un autre trick aussi, c'est que on peut. On peut flasher, j'ai essayé de le faire là mais ça a pas marché. On peut flasher pendant le spell. Pour essayer de bump justement, par surprise. Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc, du coup... tout ce qu'il y a à dire là. Le cancel d'animation. Dernier petit truc. Je vais faire 100 cancel d'animation. Voilà. Et maintenant je vais cancel l'animation du Q et de mon auto-attaque. Je vais attendre que ce soit régène pour pouvoir bien estimer. Tac. Plus rapide. Donc voilà ce que c'est la cancel d'animation. Donc je pense qu'on peut quitter là déjà. Tiens bonjour, ça va? Ah Mumu, bonjour. Est-ce que tu faisais un coup? Ok, bon bah ça va être tout hein, je crois pour ce guide. Bon, j'ai fail un peu. Donc un petit dash un peu moins facile à faire, justement un dash pour aller plus vite, c'est celui que je viens de faire là à l'instant. A savoir celui de l'inhib. Donc les tours c'est facile à faire, on peut faire juste ça, ça, attendre qu'on soit là, et tac. Alors que l'inhib est un peu plus dur. Je vais attendre de ne pas prendre l'aggro. Il faut se mettre ici, là. Et ça marche pas, génial. Quand je le fais ça marche pas, je dors. Bon.
Bon, ok, je me suis fait ulti, très bien. Je me suis fait Demacia. Ah, je vais prendre ça parce que YOLO, ça, voilà, ça c'est bien. Donc, on va revenir sur l'itemisation parce que je suis pas vraiment... Je peux vraiment aller en détail. Donc, pour itemisation, donc Rush Hydra. Si on est contre un AP et qu'on a un peu de problème, on prend ça, le X-Trinker, parce que c'est vraiment... c'est vraiment très efficace pour le prix que ça fait en fait. Pour le prix que c'est. C'est beaucoup de magic resist déjà en early. C'est pas cher. Et ça fait de la D, plus un shield. Donc c'est vraiment OP en fait. Voilà. Sinon bon, des bots. Là par exemple je pense que si je les vends, j'ai toujours 40%. Ils viennent d'où les... Je sais pas d'où ça vient en fait, parce que là j'ai rien qui fait de... Là j'ai 20%, ah non voilà, 35%, donc c'est bien ce que je disais. Je sais toujours pas d'où ça vient le reste, mais bon, ok. J'ai de la CDR qui vient de nulle part. J'adore. Donc là par exemple, 35% ça suffit pour faire ce que j'ai montré tout à l'heure. Hein. Ça suffit largement. Si on veut pas être extrêmement rapide, ça suffit largement. Là on a une deux secondes et là ça suffit hein, normalement c'est bon. Donc, on va acheter un truc, on va acheter rien du tout en fait, j'ai pas repris le bot. Bon. En tout cas, Riven, c'est un perso vraiment... qui a été extrêmement nerfé pendant les... saison 4. Pendant saison 3, saison 4. Et encore, je crois que la vitesse de son ulti a été réduite encore. En S5, il me semble. J'étais pas encore... Je jouais pas encore Riven à ce moment-là. En fait. Je peux pas vraiment dire. Mais ouais, ce perso est vraiment très fort. C'est surtout avec le nombre de CC et de burst que ça a en fait, ça peut vraiment retourner un fight. Donc là, tac. Voilà. Sinon je vais faire une vidéo peut-être sur les match-up, peut-être sur les match-up, les wall jump peut-être. Donc là, ah oui, par exemple, pour augmenter la range. Non, j'ai rien dit. Je dors pas un peu hein, mais... depuis quand j'aurai tant d'AD, je sais pas. Ok. Donc c'est tout, là j'ai atteint les 50 tickets, je suis content, blablabla. Bon, après... Un dernier truc par rapport au wall jump, c'est que bah déjà il faut bien se placer comme ça, voilà. Il faut bien se placer si on est comme ça. Si on est collé au mur, ça risque d'être très dur pour se replacer comme ça, donc voilà. Mais surtout, c'est que la largeur en fait possible est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. Là par exemple ce wall jump, on peut se dire ouais c'est facile. Ce wall jump là, celui-là, on peut se dire ouais d'accord c'est normal. Mais est-ce que ce wall jump là, on se dit c'est normal? Ouais, bon, d'accord, si j'arrive à le montrer, ça serait mieux. Mais genre ce wall jump là, il est un peu moins évident déjà à savoir que c'est possible. Ou alors je crois que celui-là il est possible aussi. Je crois. Ou alors celui-là, qui peut vraiment aider pendant le chase. Bon, j'arrête pas de me fail, désolé. Celui-là qui peut être vraiment pratique pendant un chase, hein, si on met par exemple un ennemi qui arrive là, enfin, un allié qui arrive là, l'autre il va courir par là, il va faire le tour, mais nous on va faire ça, et on va le cache. Ou par exemple ici dans les coins, on peut se repositionner avec ça.
et ça va vraiment beaucoup plus loin en fait. Donc voilà, c'est tout, sinon c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, allez, salut, j'espère que vous avez apprécié. C'est peut-être un peu long, j'aurais peut-être dû le compartimenter, je sais pas trop. Voilà, bon, bah, c'est tout, je suppose. Allez, salut.